Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour nos aventures de Subnautica Below Zero. Alors, je suis rentré à la base, donc il n'y a pas de souci. Donc, oula, j'en ai mis partout des boîtes. Alors, est-ce que je vais trouver ce que je vais vous montrer? Du premier coup, non, ah si. On va le mettre dans l'emplacement là. Non, faut le placer déjà chez nous pour ensuite le mettre dans l'emplacement. En prenant le bon, ce serait quand même mieux. D'accord. Il veut que... Il n'y a peut-être pas besoin de le mettre ici. Je voudrais juste le dropper. Voilà. Et regardez bien ce qu'on a. Et voilà. On a découvert un nouveau blueprint, donc un nouveau schéma en français ou pas. Et qu'est-ce que nous avons découvert? Alors il y a 19... oui, c'est parce qu'on a récupéré la base, c'est ça. Donc je n'ai qu'une partie de ce fusil, c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir tout ce fusil. Et nous avons ceci qui ressemble au Simot. Mais il doit y avoir un petit problème de... Comment dirais-je, d'affichage, parce que c'est pas ça du tout. Ensuite, nous avons récupéré ceci, nous avons récupéré tout ce qui nous permet de faire une base avec le renforcement. Donc il nous faut du lithium, du titane, ici c'est du verre, la salle des scanners, ok, la multiroom, ok, et nous avons récupéré les panneaux solaires, l'échelle et ceci. Donc voilà, moi je sais ce que c'est. Parce que en fait je l'ai testé avant de faire la vidéo. Pourquoi j'ai testé avant de faire la vidéo? Parce que comme c'est un early access, on ne peut pas le construire partout. Il y a des endroits où j'ai pas pu arriver à le construire. Donc je vais essayer de vous le reconstruire à peu près là où je l'ai fait pour vous le montrer. Donc il va nous falloir ceci. Donc il va nous falloir du copper, du titane. Ok. Du titane en fou. Ouais. Donc on va se charger en... Donc il me faut, on a dit, il me faut du quartz. Donc ça, normalement le quartz je devrais pouvoir le trouver sur le chemin, mais on va le prendre. Du copper, ça il m'en faut pas, j'ai dit. Du titane, il va m'en falloir pas mal. Il va me falloir du lubrifiant et une batterie. Une batterie, j'en ai une qui est chargée à 100%, mais je dois en avoir une qui est usée. Que ça c'est un petit bug qu'il y avait dans le Subnautica 1, enfin dans le Subnautica, pas le Below Zero, qui faisait que ça marchait si on prenait du une batterie vide. C'est pas ici, ou après on prendra une batterie pleine, c'est pas un souci, hein, si j'ai pas de vide. Ça c'est du poisson, ok. Je pensais avoir du lubrifiant ou de quoi faire du lubrifiant. Voilà, si j'ai une pile vide, donc on va prendre la pile vide. Ce qui va nous économiser de la pile. Il faut du lubrifiant, attendez voir. Et comment fait-on le lubrifiant? Alors, en plus on a récupéré donc ceci, hein, le constructeur d'habitacle, évidemment. Comment fait-on du lubrifiant, s'il vous plaît? Je sais que c'est avec les vignes d'Orin, enfin anciennement les vignes d'Orin, ils appellent ça autrement ici. Voilà, et c'est quoi? Ah oui, c'est... D'accord, il faut les fruits. Ok. Eh ben, on va aller chercher ça. Auparavant, je vais me remettre le canon pour pêcher, parce que moi, je trouve ça très pratique pour pêcher. C'est par ici. Et on va aller chercher des vignes qui doivent se trouver par là, entre autres. Alors j'aime pas avoir la carte, et il me faut un fruit s'il vous plaît. Voilà, alors comme on peut pas en planter encore pour l'instant, j'espère que ça va pas trop allez, approche toi allez, on va en prendre deux, on va en faire deux des lubrifiants. Du quartz, allez, du quartz.
Alors attendez voir, je vais me mettre ceci parce que là je vois qu'il y a du pochon. Ah, il veut pas attraper mon pochon là. Attrape mon pochon. Attendez voir. Je suis pas doué avec ça non plus. Hein. Bon bah je l'attrape à la main, il veut pas l'attraper avec le. Ah non, là je crois qu'il l'a tué là, le pauvre poisson. Oui, il est. Est-ce que. Ah oui, il est mort là. Ouais, ça va aussi bien attraper comme ça, hein. Je me suis trompé de bouton. Je me suis trompé de bouton, oh. Ça arrive. Enfin, souvent pour moi. Alors. Pourquoi je. Parce que je vois que je me déshydrate, donc. Je foutrais pas. Non, c'est de la nourriture que je voulais faire. Je vais me faire une petite bouteille d'eau. Encore une petite deuxième s'il y avait moyen. Voilà. Ensuite, nous voilà partie à faire le lubrifiant. Bon, on va le transformer aussi en lubrifiant, on sait jamais. Voilà. Donc on va regarder. On va regarder. Ce que l'on avait besoin donc pour faire ce que je vous parlais, donc il va falloir que je construise ceci. J'ai tout ce qu'il me faut sur moi, lubrifiant, batterie et titane. Il faut que je construise ceci. Il faut du titane, du quartz et du titane. Donc ça, normalement j'ai tout ce qu'il faut, et là je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis le chronomètre. Donc je ne sais pas depuis combien de temps on est parti, tant pis, la vidéo sera plus longue ou plus courte suivant ce que j'ai mis comme temps. Et nous allons aller faire un petit tour sur la banquise. Alors il faut arriver à monter quelque part sur la banquise. Alors j'ai me. Donc les pingouins ils sont par là. La structure est par ici. Je sais qu'on peut monter à un endroit spécifique. Voilà, j'arrive à monter ici, mais j'ai un doute. Attendez, on va couper la lampe parce que j'ai un doute de pouvoir construire ici. Alors vous me direz, oui, tu peux essayer d'aller construire sur. Les hauteurs ici en essayant de grimper. Je crois qu'on peut grimper par là. Je vais déjà juste essayer savoir s'il veut bien nous le mettre. Évidemment avec la lampe ça marche moins bien. Voilà, donc elle est contente, elle a son constructeur, hop. Voilà, donc ouais, c'est bien ce que je pensais, on peut pas le mettre n'importe où. Et donc là il veut pas construire ceci. Donc il va falloir que je me trouve un endroit où je peux le construire. Et ça, c'est pas évident. Alors, l'emergency est là-bas. Attendez, j'essaie de me repérer. Les pingouins sont ici, donc la structure est ici. On va voir si on peut construire où il y a nos amis les pingouins. Ah, je suis passé à travers là. Ouais, ça bug un peu, hein, donc. Mais tu, on peut grimper en la faisant sauter, voyez, en se mettant ici et des fois elle traverse. Voilà. Donc on reprend pour construire ceci. Est-ce que je vais trouver l'endroit pour pouvoir vous le montrer? Ça, c'est pas sûr. Si c'est trop long, je couperai la vidéo, mais donc, il y a aussi des pingouins là-bas, mais je suis pas sûr d'avoir construit sur un habitacle de pingouins, c'est pour ça. Ah là là, j'aurais dû rechercher avant de. On va essayer de grimper sur la grande structure. Tant pis.
Je sais qu'il y a un endroit où on peut grimper facilement, mais... Ah, mais pourquoi elle retombe dans l'eau à chaque fois? Alors, parce que la structure... Ah! On peut grimper là. On doit pouvoir monter ici. Bah, j'espère. Ouais, si. Alors, est-ce que je vais pouvoir construire mon engin par ici? Et non. J'avais eu du mal à trouver une zone où pouvoir le construire, c'est incroyable. J'avais arrivé sur un... Ah, ça me refait ça, là. C'est buggé quoi. Je pense que c'est buggé. On peut pas construire n'importe où ceci. Alors je vais essayer de trouver qu'est-ce que c'est qu'il y a là-bas. Ça doit être du morceau de... Ah non, j'ai cru que c'était des... D'accord. Alors là il y a la structure. Elle doit pas être finie, je pense, je sais pas. Je sais pas si elle est finie la structure là. Si elle doit être comme ça réellement ou pas. Je sais pas si je suis en construction là. Je voudrais construire ceci. Ouais, on peut pas le construire. Je vais vous montrer que on peut construire, mais pas ça. Alors est-ce qu'on... Non. Pardon. Est-ce qu'on peut... Voilà. Voilà, je peux construire le panneau solaire. Mais moi, ce que je veux construire, c'est ça en premier. Et là, il veut pas vraiment me le construire, quoi. C'est... Il faut que je trouve un endroit pour pouvoir construire ça. Et ça peut être très très long. Est-ce que c'est buggé? Est-ce que c'est buggé ou est-ce qu'on a normalement pas le droit de le construire pour de l'histoire? On se retrouve. Ça y est, je l'ai trouvé. Donc j'ai mis un peu de temps à le chercher. Je suis mort une première fois. En fait, il faut pas aller bien chercher bien loin. Voilà, je l'ai construit ici. Hein, donc c'est ça que j'ai construit. Ceci, là. Voilà. Il m'a bien voulu me le mettre ici. Et en fait, c'est juste en dessous de notre base. Donc je me suis embêté à le chercher partout alors que c'était ici. Donc là il me demande de l'énergie. Donc on va faire le petit panneau solaire qui va bien pour le relier. Voilà, il se relie par un faisceau. Et vous voyez ce qu'on peut construire, le Snow Fox. Je sais pas si ça se dit comme ça. Évidemment il me faut du lithium, j'en ai plus. Tout va bien, c'est pas grave. Et il me demande de le scanner, Néo. D'accord, on peut scanner le truc. Ok. Donc là, je suis en train de charger le système. Bon, je vais aller rechercher du titane. J'espère que je vais pouvoir remonter facilement dessus. Donc du titane. On va déjà aussi s'occuper de manger. Parce que comme je suis mort. Ah ouais, non mais attendez, bougez pas, je suis bête, moi j'ai ça. Hop. On va manger un peu. Chercher à manger. Hop, alors tu le rattrapes. Ok, il me faut le pochon qui est là-bas. Je ne sais pas où il est passé. Il a pas... Ah, il est passé à travers, d'accord. Là, le v'là. Il faut être assez près pour l'avoir, d'accord. Ok, donc un petit pochon encore. Et encore un petit peu à manger. Voilà. C'est quoi ça? Ah, c'est un banc de poisson, ok. Alors, on retourne à notre base. Faire cuire tout ça et prendre du titane.
Allez voir, on est vraiment pas loin de la base. Je me suis vraiment embêté à le chercher. Bon, bah, je suis allé dans les profondeurs. Oula. J'ai été en panne de Seaglide. J'ai réutilisé la pile. Alors, on va déjà se faire de l'eau. Comme ça, on en aura d'avance. Et se faire à manger. Dommage qu'on peut pas lui dire de cuire tout quoi. Voilà. Ensuite, on va donc manger et boire un peu. Voilà. Et il me faut donc du titane. Voilà. Je dois avoir donc une pile sur moi. À zéro, c'est parfait, ça fera l'affaire. Donc on va ressortir et vous montrer. Ah bah il fait nuit. Donc les pingouins sont ici. Eh ben je le retrouve plus. C'est bizarre. Alors là, ah, il est là-bas. Il est là-bas, vous voyez, donc c'est pas très loin de la base. Alors attendez, hop, on replonge. Voilà, la base est là. Et c'est donc l'iceberg, enfin la plaque qui est là. Alors, je sais pas pourquoi elle plonge, elle redéplonge. Et voilà, on arrive à grimper dessus, impeccable. On se retire ceci. Et voilà. On le construit, ça y est, enfin. Ah, il n'y a qu'une batterie dedans et on peut en mettre deux d'après ce que je vois. Pendant la construction, j'ai vu qu'on pouvait en mettre deux, peut-être des batteries. Ah, on peut customiser notre... Ouais, non. On va essayer de le customiser. Non, on peut pas le customiser. Ah si. La base, je la voudrais, ouais, rouge, pourquoi pas. Je sais pas si ça va marcher parce que le nem en noir, par exemple. Ah, c'est... Ça marche pas comme dans le premier. C'est moins... Bon, hop, done. Je sais pas si la customisation fonctionne. Hein. Ok, je peux attraper le panneau solaire. Donc. Voilà l'engin. Donc je peux monter dessus. Ici, il doit y avoir un petit coffre, non? Ici, il y a les batteries. Donc voilà, j'ai pu monter dessus, mais on va descendre parce que comment on fait pour le... Comment on fait pour descendre? Voilà. Donc là, elle est sur son... Ah, je peux la scanner. On va déjà la scanner. Voilà. Et on peut la ramasser parce que on peut pas aller sur l'eau avec. Donc il faut qu'on se trouve un endroit où qu'on puisse grimper. Donc on va essayer. Et la vidéo va s'en arrêter là. Je vais vous montrer un petit peu si on comment ça se pilote. Enfin comment je... Est-ce qu'on peut grimper là-bas? Ah non, on peut pas grimper par là-bas. Il me faudrait de la banquise un petit peu plus
va essayer de trouver. Est-ce que si je grimpe là-dessus, est-ce que je peux grimper sur l'autre banquise là? En sautant. On va se remballer le siglaï, il va voir un peu si. Ah bah j'arrive à grimper dessus. C'est pas super pratique leur truc hein. C'est pas. Allez. Voilà. Ouais, ça va être très compliqué de grimper là-dessus en courant. Hein. Ouais, c'est quasi impossible quoi. Il va falloir se trouver une autre entrée. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autre entrée que là. Ah, ça y est, je suis arrivé à grimper. Donc là maintenant, ce qu'on fait. Voilà, il a une tête de Siglide, hein, mais hop, on le drop. Alors, je sais pas si on peut. Voilà, c'est pour la ramasser par l'arrière. Il y a l'air d'avoir un coffre ici. Ah voilà. On peut mettre un upgrade de quelque chose, mais j'ai pas, donc il y a l'air d'en avoir un déjà dedans. Enfin bref, donc on va monter dessus maintenant. Donc si on va dans l'eau, c'est foutu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si on va dans l'eau, c'est foutu. Alors c'est pas évident à piloter leur truc. Moi je. Donc là on est obligé de sortir, de la récupérer. Et ça bouge beaucoup trop. Hein. L'eau bouge beaucoup trop. Tout bouge beaucoup trop pour le piloter ce machin là. Pour l'instant c'est pas évident. Enfin pour moi. Ah raté. J'espère que je vais pouvoir regrimper dessus. Non, celui-ci doit être trop loin. Ouais, celui-ci est beaucoup trop loin. J'ai essayé de vous montrer, mais je suis pas doué. Hein. J'ai essayé de le piloter, ce machin-là. Et j'ai pas réussi vraiment à. Allez, grimpe, ma mère. Voilà. On va prendre un peu d'élan. Je sais pas si ça sert à grand-chose. Voilà, j'ai raté mon saut. Va falloir qu'ils améliorent ça. Soit c'est moi qui est très mauvais. Allez, grimpe. On peut pas grimper de n'importe où à chaque fois, c'est assez pénible hein, comme truc. Non, elle veut pas. Ah là, là, là quand elle saute, elle veut bien. Bon, tout à l'heure, j'y suis arrivé avec cette plateforme-là, donc. Voilà. Bon, allez. On le redrop une dernière fois et la vidéo va s'en arrêter là. Je pense qu'elle a été assez longue. Je pense que je vais vous faire un montage, que j'ai fait un montage et que je vous ai caché. Mes péripéties, parce que bon, j'ai cherché. Je sais pas si on va pouvoir grimper là-dessus. Je pense pas. Alors. Alors, on peut se déplacer en latéral. Ouais non là il y a la marche arrière aussi ça ouais donc on peut pas grimper ah si on peut grimper ça y est j'ai grimpé je sais pas où je vais ah, on va aller vers la structure oula. Et c'est très très à piloter, c'est très dur. Oh, une base! J'ai retrouvé ma base! On va descendre.
de l'engin. Oh là, d'accord, il a pas aimé la pente. Et je vais le réparer parce que là il est quand même dans un sale état. J'espère que j'ai pris la... Voilà, je l'ai. Alors, on va à la structure ou à la base? Voilà, c'est impilotable ce truc. Bon, on est parti à la structure là. Si j'arrive à grimper. Non, il veut pas grimper là. Bon. Alors je sais pas. Je vous dis, c'est un pilote. Je ne sais pas comment ça se pilote. Hein. Oula, 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 oula. Alors. Donc là, il y a ma base. C'est bizarre. Elle est plus enfouie sous la neige. Alors, est-ce que c'est un bug ou pas? Oula, 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 oula. Est-ce que dans le jeu on doit revenir à la base ou pas? Je sais pas du tout. On va descendre de la moto. Alors c'est bizarre. Bon, on la ramasse parce que là. Et nous, on est retourné à la base. Est-ce que c'est normal qu'on doit retourner à la base ou pas? Donc je vais rentrer dedans. Je pense que l'épisode va être très long. Attendez, j'ai fermé la porte quand même. Est-ce que c'est normal que je puisse retourner à la base? Il n'y a rien de spécial qui a changé. Non, je pense que c'est pas normal que je puisse retourner à la base, parce que normalement, elle est enfouie sous la glace. Donc ça, c'était la chambre, certainement, de Jeffrey. Hein. Ah non, non, il est pas là. Je pense que c'est un bug, on doit pas pouvoir retourner à la base comme ça... Parce que là on peut rien faire, en plus on peut pas récupérer de plantes, on peut pas récupérer de melon, de rien du tout, donc je pense que c'est plutôt un bug, je pense que c'était pas prévu comme ça. Parce que vous voyez l'antenne est... Elle est comme si elle était cassée. On va... Vous voyez l'échelle, elle n'y est pas par contre. Si je retombe dans l'eau, c'est foutu. Est-ce que c'est normal qu'on puisse retourner à la... Le bonhomme de neige. Je sais pas si j'avais fait tomber la première fois comme ça, mais... Bon, on va s'en arrêter là et on verra la prochaine fois. Je reprendrai le chemin là, voir un peu où j'irai la structure en haut. Puisque je sais pas d'ailleurs comment je pourrais y retourner cette structure là. On verra ça la prochaine fois. Merci de m'avoir suivi. Allez, ciao, bye bye.